Pour moi, l'aventure, c'est vraiment faire une chose qui te laisse un peu sortir de ton zone de confort, mais en même temps vivre un truc unique. Tu peux pas répéter la même aventure. Je m'appelle Samer Hobeka, je suis ingénieur en informatique de jour et chasseur d'étoiles de nuit. Au Québec, la météo change chaque jour. Donc moi, mon processus, c'est vraiment de commencer par savoir c'est où le ciel dégagé, où je peux aller, où il y a moins de pollution lumineuse. Puis s'assurer que tout mon équipement est prêt. Genre le nettoyer, recharger les batteries, vérifier chaque objectif que j'utilise, les appareils photo en plus, s'assurer que mon sac, il contient tout ce que j'ai besoin. Pour moi, c'est vraiment pour sortir de la ville, pour casser ce rythme. Mon but, c'est vraiment d'amener des gens à explorer le Québec d'une différente façon qui est plus unique. Ça offre vraiment une autre perspective pour voir le monde. Le ciel change à chaque nuit. Du coup, même si tu vas photographier les étoiles chaque soirée, c'est vraiment unique. Par exemple, d'une saison à une autre, les constellations changent. C'est l'hiver, c'est pas la même chose que l'été. Et surtout que le Québec est tellement grand, et chaque fois, c'est différent, c'est pas toujours la même chose. Quand je quitte la ville, c'est vraiment plus pour être dans la nature. Donc, je suis jamais dans des hôtels de 5 étoiles, je suis plutôt en camping ou bien dans la voiture. T'es quand même libre, tu déranges personne. T'es tout seul avec toi-même, puis t'as les étoiles. T'imagines, t'es dans un espace où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de son, il n'y a pas beaucoup de mouvement qui se passe. C'est vraiment tellement zen, comme on dit. Je suis toujours en train d'explorer le Québec. Ça fait 6 ans que je fais ça depuis que je suis arrivé. C'est vraiment infini là. C'est toujours une belle aventure. C'était vraiment cool avec le Taos. Tu vois toutes les étoiles à travers toi. C'est vraiment impressionnant. Le mouvement des nuages, puis comment les étoiles sont sorties à la fin, puis la Voie lactée en plus. C'était vraiment beau. Hey Samer! Salut, Ça va bien? Maxime. Ouais, ça va. Comment ça s'est passé? Super beau. Fantastique. Je te passe les clés. Cool. Et je te souhaite une bonne route. Merci, à toi aussi. Salut. Salut. Volkswagen.